kamuniza o Lago yike munio Lago yike muniza o Lago yike munio Dibote tigazo Dibote tigazo Dibote tigazo Ye gazo 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 Ça sent bon, on dirait qu'il y a la nourriture. Pourtant, putain, c'est là, ça, c'est la faim qui fait ça. C'est la faim qui fait les trucs comme ça. Coucou mes doudous. Partagez dans les groupes rapidement. On va avancer. Je suis avec vous pour 2 heures de temps. Je vais mettre un téléphone. Vous allez appeler. D'accord? Donc, partagez rapidement. On va avancer. Partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes. Partagez, mettez les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Leslie 5 étoiles vous demande de mettre les cœurs. Ah, tu as volé mon son. Mettez les cœurs. Yeah, Leslie 5 étoiles. La plus sexy de la diaspora. Oh. L'artiste qui va chanter pour moi, bouffer mon argent. Hein. La plus sexy de la diaspora. Leslie, 5 étoiles. C'est elle-même qui n'a même pas honte de travailler ici en Bengue. La seule blogueuse qui assume son Josie. Leslie, 5 étoiles. Yeah, la villa travaille au milieu des toubabous. Elle a compliqué. Bengue là, c'est chercher Mao. Pas les blogueurs mbrakata. Pas les blogueurs vrong. Pas les brogues, tchap, voum, et 5 étoiles, oh, à couper, 5 étoiles. Ils ont été chantés comme ça, hein, l'inspiration arrive. À raccommoder, 5 étoiles, et 5 étoiles. Maf, je suis une artiste. Mettez les cœurs. Laissez-moi brancher le ventilo, là, il va faire chaud, c'est sûr. Cinq étoiles, la plus grande chanteuse, blogueuse, danseuse. Moi, je suis déjà dans l'artistique. Dans l'artistique, Seigneur. Je suis déjà dans l'artistique. Hein? Je suis déjà dans l'artistique. Vous parlez de qui? Maf. Je suis déjà dans le milieu artistique. Parce que je danse, je suis une danseuse professionnelle. Donc, qui dit danser, qui dit chanson. Il danse quoi? Il danse pas si parole. Partagez, mettez les cœurs, 5 étoiles en live, mettez dans tous les groupes, appelez-les ici, oh, je vais couper, à décaler, arikata, c'est pas les blogueurs mbrakata, c'est pas les blogueurs tchavoum, ça c'est 5 étoiles ici qui assume son Josie, oh, la seule blogueuse qui a fini de parler avec vous, elle va aller travailler. La seule blogueuse qui n'est pas paresseuse, oh. Je suis la seule blogueuse hein, qui travaille. Le reste, c'est le mbrakata. Et les gens qui, 5 étoiles de jus. Je ne vis pas de huile de chien, oh. Je ne vis pas de huile de carotte, oh. Oh, 5 étoiles. Ah, maman, coupé. Ah, décalé. 5 étoiles, oh, c'est pas le gnon, le mbrakata. 5 étoiles, c'est pas le gnon, pas le mbrakata. Eh, à couper, décalé. Moi, j'ai des chanteurs comme ça, vous êtes là, vous me regardez. D'accord. Bonjour tout le monde. Chers internautes, chers auditeurs et auditrices. Ici, Leslie 5 étoiles, la blogueuse la plus en vogue, l'ex-fiancée de monsieur général Makoso. Voilà, c'est mon ex-fiancée. L'ex-camarade de... Je me présente, hein.
l'ex-copine de Edwige de Milan, l'ex-bonne petite de Love Vigu, voilà, voilà, hein, l'ex, parce que je me mets dans le lot, l'ex, je vous jure sur la tête de ma grand-mère que tu vas me rembourser mes 300, tu vas me rembourser mes 3000 euros, tu crois que je ris avec toi? Je te jure, frère, tu vas me rembourser ce qu'elle dépensait à Paris. Mes 3000 euros de transport, hôtel, plus mes robes. Tu vas payer ça. Et attends seulement que la vie n'a pas parti. Quand elle a parti, quand tu as bien voir direct, tu as coupé la vie à l'aéroport là. Tu as l'île et moi. Tu es un arnaqueur, frère. Tu m'as arnaqué. Tu m'as arnaqué mes sous. J'ai porté plainte pour arnaque. Oui, j'ai porté plainte. Je porte plainte pour arnaque. Ah, pour tu. Je vais porter plainte contre toi pour arnaque. Parce que tu m'as invité à Paris. Même mon taxi, tu n'as pas payé, même brochette, tu n'as pas payé pour moi. Tu vas lire. Parce que quand on commençait, hein, on sera entre nous. Il y a tant que la vie va partir. Tu vas rembourser mes 3000 euros. Petit maudia, tu vas rembourser mon argent. Il y a toujours rien avec toi. Un petit malo, quand tu as eu des millions à faire, j'ai mon assis dans tes mains, lance nos dos. Hein? Mon Dieu. Ne riez pas, hein, j'ai dépensé 3000 euros à Paris. Et puis ma voiture est partie en fourrière. Parce que notre hôtel n'a pas les parkings. Vous savez qu'à Paris, pour trouver un hôtel et parking, c'est très difficile. Hein? J'ai pris un 4 étoiles là parce qu'il n'est pas lent pour prendre un 5 étoiles. C'est vrai que c'est une 5 étoiles, mais c'est pas tous les jours j'avais l'argent. C'était pour aller, voilà. Tu n'avais pas fichu de prendre Ibis. Parce que lui a dit que moi, je ne dors pas dans Ibis. Tu peux pas. La prochaine année que tu m'invites aux Oscars, il faut être en partenariat avec un vrai hôtel qui va loger les blogueurs. Un vrai hôtel 5 étoiles. 6 mois en avance, tu vas les voir. Tu dis, moi, j'ai mon truc. Je vais venir les trucs. Ça lui fait des pubs aussi. Tu t'arranges à eux pour le séjour. C'est 2 jours, mais 3 jours, on fait à Paris. Tu prends nos hôtels. On dépense l'argent. Et bien, comment je suis changé. Même ceux qui ont porté, ils m'ont frappé à Paris là-bas. Là. J'ai été frappé à Paris, agressé. Grâce à toi, pour tu. Si j'étais resté chez moi, qui allait m'agresser. Je me suis. J'ai dépensé 200, 300 euros dans les cheveux. Maquilleur. Merci mon fils. Attends, je vais épingler. Maquilleur, 100 euros par jour. La nourriture, la boisson, les champagnes qu'elle buvait dans les coins. Sans compter mes robes, chaque jour j'étais à Paris, c'est nouveau habillé porté. Il fait 4 jours à Paris, 4 habits. Une robe, si ça coûterait, c'est au moins 300 euros. Ton maudit pour tu as bouffé mon argent. Tu as remboursé mes 3000 euros. Tu as remboursé mon argent. Parce que tu tapes la bouche, tu vas lire. C'est-à-dire, tu vas donner mon argent. Tu as donné mon argent. Hein? Et nous qui sommes à Paris, n'est pas là pour payer une nouvelle perruque. Comme si ça va être ramassé. Ça, c'est au moins. Ça, c'est les mèches, c'est 300 euros. À ma boule, j'ai payé une nouvelle, une autre boule de 120 euros pour mettre dedans. Ça fait 420 euros. Main d'œuvre. Qu'un tu et puis main d'œuvre. Plus l'autre perruque, ils ont refait aussi. Si n'est rien dépensé, un arrangeur, tout. Les perruques, c'est au moins dans les 800 euros. Vous voulez parler, les échanges d'appel. Vous êtes malade, mon frère. Quel échange d'appel, c'est vous qui avez payé. Ça, c'est longueur 24. Et rajouter encore une boule à Paris. Ils m'ont fait la teinture, mon frère. Hein? Ce Serge, le coiffeur de Paris. Château d'eau. Il sait combien il a dépensé. Ça, sont les vraies mèches. Quel échange, pourquoi? C'est aux Oscars de l'année prochaine, j'ai changé les bêtises. Comme maintenant, il y a des vieux mecs qui sont milliardaires. Elles vont me donner des perruques. Elles m'ont dit que oui. Bisous à ma grande soeur depuis Genève. Je parle des filles qui ont. Si j'organise maintenant quelque chose, il y a les marraines. Hein. Tout ça là, c'est long. Actuellement, il y a les sentinelles qui sont en groupe. Elles sont pressées pour voir quand je vais organiser ma part. Moi, j'organise ma part le 2 décembre. Vous avez l'île. Les clics 5 étoiles le 2 décembre à Paris. Paris sera là pour l'événement de Emmanuel Keïta. Donc, le 2 décembre. Si c'est le 4, depuis le 2 mois, ils sont à Paris. Ils organisent ma part le 2 décembre. Le 4, le 3 décembre, à Paris, pour coach Amon, je m'en vais là-bas. Quand il dit je coach Amon, le 4 décembre, je vais chez maman le coco de ça. Et bien, coco que. Maf! Maman, le petit, il a bouffé mon âme comme ça, et puis il est là. Et puis quand tu l'avais dit, non, c'est famille. Hein? C'est famille, hein? C'est famille. Mais 3000 euros, c'est comment pour tu? Alors là, il doit des crédits que je dois payer. Oui, je dois. Je dois, que je dois payer aux gens. Je dois quitter 1000 euros. 1300 euros. Que je dois rembourser. Si je ne rembourse pas, maintenant, il fait comment? On dit, oh, tu es ça, tu devras donner notre argent. Tu as donné mon âme, Poutchou. Tu as donné mon âme. Ça, quand tu as mis teinture dans ma perruque. Et bien, on dit, oh, je porte les mêmes perruques. Oui.
On m'a dit que les six portent les mêmes perruques. Il y avait payé une boule de 120, plus les perruques, même la mèche qu'il y avait payée en Afrique, 300 euros. Plus 120 euros, ça fait combien? 420 euros. Plus la teinture et la coiffure, ça fait 205 euros. Ah, Poutchou, là, c'est dépense de une perruque. Sans compter la perruque noire qu'ils ont pour faire ses pieds. Ma perruque noire, celle-là, hein. Ma copine a des boucles, demain, elle va boucler ça. La perruque noire, ils ont pour faire ses pieds. Elle, je l'ai fait en franche. J'ai rajouté encore une autre boule. C'est chaque perruque. Je suis moi 600 balles, avec 1200 de coiffure. Hôtel, 700 euros. Vendredi, on est parti jeudi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, c'est à Paris. Ma voiture est partie en fourrure et payée 120 euros. Actuellement, là, depuis que c'est à Paris, là, on reçoit les amendes. Nous sommes notre quatrième amende. 35 euros, trois fois, plus 120 euros. Parce qu'en venant, on s'arrêtait quelque part. Paris, on ne sait pas où on garé. Ils ont pris tout notre argent. Ils sont payés les amendes à Poutchou. Tu te pas. C'est-à-dire qu'il faut faire mon gay d'affaires. C'est maintenant mon cœur est chaud même. Parce que tous les jours, on reçoit amende. Paris, vous savez, c'est une ville, hein. Il n'y a pas d'endroit pour se garer. On est parti en voiture, on a eu problème. Amende, on te recevoir là. Chaque jour qu'elle reçoit amende, je suis ton maudit petit. Chaque jour qu'elle reçoit amende, ton maudit. Chaque jour que Dieu fait, ton maudit. Aboutou. Non, tu as joué dans le système, quoi. Dans Wada. Toi, tu as eu le jet. Et puis, par derrière, nous, frère, tu as remboursé mon nom. Et ne rigole pas avec toi, hein. Non, sérieux. Et ne rigole rien avec toi, mon frère. Un malo, il ne rigole pas avec toi. Tu me dois. Et j'ai été frappé à Paris. Tu n'as même pas fichu de venir me voir. Comme tu sais que lundi, je rentre, tu m'appelles lundi, ça oui. Tu sais où je viens. Tu sais très bien que tu as dit qu'il n'est pas lundi. Hein? Tu sais très bien que j'ai dit. Avec ta grosse tête, comme la valise de 23 kilos qu'on met dans le soute. Comme les valises qui quittent en Mauritanie. Hein? Tu me dois. Tu vas me rembourser mon argent. Ça, c'est un autre système qui vient. Le 2, j'ai dit que mon mari a choisi ma date. Le 2 à Paris, le 2 décembre. Je vais parler à Paris deux fois à mes abonnés. Le 2 décembre, j'ai mon dîner avec mes sentinelles. Le 2 décembre. Hein? Le 2 décembre, je suis à Paris. 2 décembre. Sentinelles, réunion, moi, placard. Nous, chez nous, là, moi, placard, les autres graines. Nous, on n'est pas dans les histoires de. Dans les histoires de. Hier. Nous, on n'est pas dedans. Nous, on d'abord placali. On se croisait à Paris dans un restaurant africain. On mangeait. Il n'y a pas encore choisi le restaurant. Nous, on finit de manger le 2 décembre. On boit champagne. Après, on va danser en boîte. Hein? La team de Placali, c'est nous. La team des vraies nourritures. La team même qui mange les vrais Placali, Plo, Akasa, tout ça, c'est nous. On tabasse ça. Maintenant, quand on quitte le 2 décembre, le 3 décembre, on s'en va chez Coach Amon. On quitte chez Coach Amon. Le 4 décembre, on s'en va chez eux. Quand même, la fête de ça. Là, il y a dit qu'on va nager dans les bateaux dans Paris. Paris va s'es. Maf! Vous allez lire le. Pas vos histoires de baleine. Je vais. Je reviens encore en décembre. Tilapia, commence-toi à préparer. Tu auras un casier judiciaire. Voilà une autre aussi. On te délivre en direct. On te délivre en direct, ma chérie. Ya! Yeah. Que. Seigneur Jésus, enlève l'esprit de Facebook. Dans. Sur le notre. Il va faire comme ça. Elle lutte, elle le. Délivre, tu lutte quoi, elle le démon. Tu vas lire le. Tu vas lire le, ma chérie. Attendez. Tilapia, les cinq étoiles, c'est les uns qui s'agiront, partager, mettez les cœurs. Je m'appelle Célise 5 étoiles, c'est moi la grande chanteuse de Facebook. Vous tous vos maudits à vous les blogueurs, vous êtes des blogueurs, vous la cata. J'ai dit que je vais te lapider, vrai, mon frère. Ta gueule est comme la valise de 23 kilos qui sort directement de la Mauritanie. Tu as donné mon nom. C'est pas Wawa. Je te parle. Je t'ai vu en vrai. Ta tête ressemble à moi, frère. Tu as donné mes 3000 euros. Et je suis rien avec toi. Non. Parce que je suis bête. Tu es très intelligent. Tu nous prends pour les mougous, frère. Tu nous as broutés. Hein? C'est nous qui as brouté. Patayé, mettez les cœurs. Thank you.
5 étoiles. Mais je n'ai pas chanté mon nom, mais chante mon propre nom. Et juste pour la Gugu, elle voit pas, excusez-moi, mais comme c'est pas encore sorti. Oh, Gugu n'est pas encore sorti. De toute façon, les deux, voilà, c'est des malos. Qu'est-ce que vous voulez? Yakuba, Guéré, tous des malos. Les Guéré, c'est les dabasseurs de l'homme. Yakuba, c'est les moyens de grenu, des gens comme ça. Comment vous voulez qu'on leur fasse confiance? C'est pas déjà faire confiance. Voilà. Alors, bonjour, le sujet, c'est quoi? Je vais d'abord m'adresser à ma copine Tilapia, ma chérie. Tu n'as pas encore prié. Un moment, les esprits étaient là. Après, ça a disparu. Rappelle-toi très bien que tu étais assis sur la vie de Kamel Sama. En cette même période, tu étais assis sur la vie de DS Collection, ma grande chérie, que je te claque un bisou depuis la Belgique. Oui, par le Vronk, par le Mbrakata. La même période, tu insultais ici, mon enfant, ma chérie. Tu avais eu l'insomnie que... Les doudous ont commencé à faire l'effet. Les doudous faisaient l'effet. Les doudous font l'effet. Tu l'as bien, tu ne dormais plus. Après, on a mis un peu d'eau sur le doudou. Le doudou s'est éteint un peu. Actuellement, le doudou s'est rallumé. Tu l'as bien, ne dort plus. L'insomnie de ça. Tu l'as bien, l'insomnie. Le doudou s'est rallumé. Tous les gens qui t'ont insulté ont réactivé le zamour. Et là, l'esprit. On te délivre en direct, tes abonnés, même si c'est que c'est chaud sur ta carrière. Ta carrière Facebook, man. Tu vas lire sur le calendrier Baoulénia. Tu ne dors pas 3 heures de direct. À un moment, tu n'as pas fait ça. Hein? À un moment, on t'avait déchaîné un peu du royaume du Juju. Oui. Mais avant, ça ne peut rien faire pour toi. Hein? Parce que tu as insulté cette famille, ils ne vont jamais te pardonner. Je t'ai dit ça vrai. Tu voulais. C'est-à-dire que tu as la qualité de. Tu es une criminelle. Tu voulais brûler le magasin de ma belle-sœur, qui est gay. Tu voulais brûler le magasin de ma mon ex-belle-sœur. Parce que ma cousine, c'est mon ex-gars. Tu voulais brûler le magasin de ma belle-sœur. Tu crois qu'elle t'a pardonné? Non, c'est l'hypocrisie Facebook, man, ma chérie. Tu dors pas, elles sont en train de mougouer les gars. Chacun dans son chacun. Perroquet en train de mougouer les testacles de son clo-clo. Elle a ramassé sa part de clochette. Elle a été lapée les testacles du gars comme la bonbon sucette. Toi, tu ne dors pas. Par contre, Dieu est en train de remuer ses reins sur son chant. Nathalie est en train de remuer son pétou. Sur son gars. Bah, oui, Nathalie a un gars. Nathalie est en train de sucer le banzouzou de son gars. Après avoir roulé le bus, il suce le bangala de son gars. Lui, il a sa part. Ma copine, mon ex belle-sœur Guénon. Guénon a sa part de concombre. Elle est en train de sucer tous les concombres de la maison. Elle est en train de manger. Elle mange tous les concombres du supermarché. Et toi, tu dors pas. Pendant que nous, on est en train de jouer. À 3h du matin, moi, je suis au travail. Ma copine, tu fais direct. Quel est ton problème? Explique aux gens. Il faut te confesser. On ne peut pas délivrer un démon sans te confesser. Confesse-toi. C'est les esprits des enfants des gens qui te poursuivent. La maman de Raza que tu as enregistré, c'est son esprit qui te poursuit. Go Modiala. On dit que tu as plein. Tu dis que c'est plein. Tu n'as pas dit que c'est plein Facebook. Au moment où c'est plein Facebook, la pleine si te donne un somnie. Et puis, nous, on a activé le Zamou. Le Zamou était activé. Kamel Sama a activé son amour. DS Collection a activé le amour. Comment il s'appelle? Unis Union a activé le amour. Les secrétaires, allô, pas c'est gâté. On a activé un amour insomniement parlant. Tu vas lire. Le j'aime t'attendre sur une vie de tes camarades, non? Toi, tu as vu Facebook, mon Facebook ne me déstabilise pas, ma chérie. Il fait direct, puis il finit. Mais tu dis à laver. Tu dis à prêter, il monte à 22h. Il finit de faire direct. Il m'a dansé. Il m'a servi. Je suis une serveuse. Quand il est fini la fin de mon contrat la semaine prochaine, mon patron va signer. Il va me donner. Oui, il va me donner mes fiches. Je paye gauche moi. Je gauche moi. Est-ce que Facebook peut t'empêcher de chercher là? Hein? Comment Facebook peut t'empêcher de chercher tes papiers en Europe? On parle de ça. Tu accroches un clodo sur Facebook. Ma chérie, faut faire comme. Comment elle s'appelle? Bloqué. Je ne veux pas nom de gens ici. Il faut faire comme perroquet. Elle a trouvé sa part de blanc aujourd'hui. Hein, on n'a pas revu son mortanien. Oui. Elle sait que si elle met son mortanien, vous allez vous moquer d'elle. Mieux, elle fait son foyer. Elle a ses sébés. Tranquille. Tranquille. On peut être malade. C'est-à-dire, on peut ne pas être intelligente pendant sa vie. 2018. Moi, je suis venu en août. Toi, tu es venu en juillet.
Depuis juillet, t'es venu. Août, même période que mon gars. Quel conseil t'es pas donné, vieux chouin? Tilapia, quitte Paris. Va même dans un petit gloglo. Va dans un petit gloglo. Cherche ta part de kebab. Ils sont versés. Il y a où ils sont de travailler, même pas Noirata ici. Toutes les filles blanches qui sont ici là, elles ont dit à leur mari. Oui, elles, les vraies, elles sont posées. Il dit, ma chérie, va. Va te chercher, va te chercher, va te chercher. Elle est petite, elle est vraie mouvement même là. Allô, allô, oui, boss, bon, c'est ma sœur et ça, il faut la prendre. Si tu n'as pas de sœur, elle va bien jossi. Voilà, même s'il y a un moment contrôle, tu vois, un esprit, on peut gérer. Maintenant, tu as une go by, tu as une go by bien. Tu as une go, tu as une non-name, tu as une. Eh, ma chérie, ça me fait mal. C'est-à-dire que tu marches avec pantalon. Et puis, je vous informe. Je te laisse aujourd'hui, ta délivrance, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai parlé de Coach Amon et de Emmanuel Keïta. C'est le sujet, mais j'ai parlé un peu. Excusez-moi, hein. Je suis obligé de l'appeler Pantalon, mais pas appeler par son nom. Parce que c'est le game. Pantalon est fatigué de clash. Vous avez fait des plaintes, il a mis sa bouche dedans. Il n'a pas mis sa bouche dedans. Il fallait que Apoutchou sorte son casier, sa valise de 23 kilos pour que Pantalon vienne parler. Si le monde dit que Tilapia est seul, le gars est fatigué de faire les clashs. Tu as vu, il a fait sa petite vie, il a déménagé. C'est pour éviter tout ce monde pourri. C'est pour éviter tout ce monde pourri là. Il allait se cacher dans son gloglo. Il a pris sa chic petite maison. Il a son travail. Mettez les cœurs, mes bébés. Il a son petit travail. Pourquoi tous les jours tu dois le ramener ce monsieur dans les clashs? Bloqué. Tu n'es pas obligé de ramener ce monsieur dans les clashs à chaque fois, ma chérie. Et puis, je tenais à vous informer, pas talon avec Guénon. Je tenais à vous informer que vous, Tilapia est plus âgé que vous. C'est pour cela qu'elle arrive à vous manipuler. Cette fille a plus de 47 ans. Comment je l'ai connue, j'avais 17 ans. D'accord? Moi, elle n'est pas connue, elle n'avait pas 10 ans, ou elle n'avait pas 15 ans, ou elle n'avait pas 8 ans. Je l'ai connue, comment je l'ai connue, elle était déjà dans les 22 ans, 23 ans. Ou 25 ans même quand je l'ai connue. Aujourd'hui, là. Cette fille a plus de 40 ans. Apparemment, Pantalon a 37 ans et 35 ans. Tu es plus âgé que Pantalon. Il faut lui dire la vérité que tu es plus âgé que lui. Elle est plus âgée que Pantalon. Elle est plus âgée que mon ex-belle-sœur Guénon. Elle est plus âgée que les deux. Elle est plus âgée que Perroquet elle-même. Elle est même catégorie que Pasta Macaroni, mon ex-gars Makoso. Elle est plus. C'est même catégorie-là. Si Makoso a 40 ans, 40 et quelques. Si elle a plus à 40, elle a plus de 45 ans. Parce que sa copine Vanessa, Vanessa a 35 ans. Et elle est plus âgée que Vanessa. Et vous dites la vraie vérité alors. Tu l'as bien celui vieille chouette. Vous avez compris? C'est ce que je voulais dire. Pardon, laisse pas talon. Le monsieur est fatigué. Il a envie de faire de ses émissions. Il a envie de. Voilà, moi quand je regarde souvent ces émissions, je suis contente des gens qui appellent. Avant nous tous, on faisait ça. Les gens qui appelaient, ils venaient expliquer leurs problèmes et tout le temps. Le gars, il est fatigué. Il n'est pas venu en Europe pour toi. C'est vrai qu'il t'a pris comme sa petite soeur. À chaque fois que tu es dans la même. Il a oublié de sortir pour venir, comment on appelle ça? Pour venir te défendre, mais il en a marre de tes clashs. Je me rappelle que le jour où j'ai parlé avec lui. Il m'a dit, laisse, je suis fatigué des clashs. Quand il a fini de faire direct comme ça là, hein? Ouh, l'eau est versée. En attendant doucement. C'est que la soirée va être bonne, mais croiser un bon va être là-bas, comprimé légèrement. Fatigué Tilapia, il est fatigué de faire les clashs. Je te jure sur la tête de mon enfant que le monsieur il est fatigué de faire les clashs. Mais à chaque fois, il y a un fait des plaintes. Il n'a pas parlé dedans jusqu'en. Il a te soutenir. Il a te soutenir au téléphone. C'est quelle petite soeur on a et puis on ne peut pas l'appeler pour parler de projet. Ça dégage des qualités de soeur que quand on t'appelle, c'est pour parler de Facebook. Je ne peux pas appeler un jour Pantalon pour dire lui, allô Nathalie, aujourd'hui là vraiment, j'ai fait que trouver un blanc, mon grand frère. C'est vrai que quand tu n'as pas les papiers, on te dit va te marier au pays. Mais si tu as duré une manière ici, que ta famille est ici, ton papa et tout, on peut accepter le mariage. Avec les aides de ces personnes-là, tu appelles même aller te paxer. Alors mon grand frère, tu fais un blond blanc, il m'aime me paxer. Il me passe demain. Ou bien tu finis même de faire ton truc et tu les annonces. Pourquoi tu n'annonces pas de bonnes nouvelles à ce monsieur? Et puis tu viens toujours appeler Nathalie pour lui dire allô, faut que ça te défendre. Tous les jours, il doit sortir pour te défendre, ma chérie. C'est pas une vie, ça. Non, sérieux, c'est pas une vie. Qu'on doit se dire tous les jours pour te défendre. Toi, ton amitié, c'est Facebook. Natacha de Monaco, on dit comme ma soeur chérie. La milliardaire camerounaise. La seule camerounaise qui a payé maison à Monaco. Chez les riches. Ça chauffe pas. C'est moi qui dis ça venait me taper.
la plus sexy des Camerounais. Après eux, c'est le village. Qui dit mieux? Et après, tu n'as pas déposé immeuble au Cameroun, ils sont invités là-bas. Vous tentez même de gâter l'amitié si. Je vous envoie de chez les Juju au Nigeria. Elle ne rigole rien avec vous. Hein? C'est ma nouvelle page, abonnez-vous ici. C'est vrai que l'autre page est en train de monter en vogue, mais ici on a besoin parce que c'est ici qui est monétisé. Si vous partagez, c'est tant mieux. Hein? Voilà que ton ami, il est fatigué. Dans tous les. Moi, mais il n'aime pas trop les relations virtuelles. Ça vous est, monsieur, et monsieur, débarrassé des pains sucrés de Paris. Moi, il sait que des pains sucrés de Paris, vous se débarrasser d'elle. C'est que l'habitude virtuelle, on fait. Et puis, on parle pas de. On n'a pas de problème. C'est-à-dire, toi, tu dois toujours te plaindre. On doit. Si les gens là sortent, c'est pas pour annoncer une bonne nouvelle dans ta vie. Tous les jours de ta vie, on doit annoncer une nouvelle catastrophique. Tu l'as bien reçu plainte, tu l'as bien dit, ça fout de plainte. Mais ma chérie, passe à ton casier judiciaire, merde. T'es con ou quoi? Pense à ton casier judiciaire. C'est eux qui t'ont porté plainte. Vous allez partir, moi te garantis. Quand tu as fait un procès en France, tu as chivé Miss. Les petits plaintes, la Miss, c'est le mbrakata. Tant qu'il n'y a pas de trucs derrière, tant qu'il n'y a pas d'avocat, tu as poursuivre. Mais si tu vas une fois au tribunal, quand te garantis, deuxième fois, c'est un casier judiciaire, tu la pute. Tu la bordé. Comment tu peux être bêtante comme ça? Et puis tu viens dans ton. Avec ton faux profil pour venir dans mon snap pour dire, Leslie, tu n'as plus en train d'afficher un blanc. Ma chérie, tu m'as déjà affiché un blanc. Tu m'as déjà affiché un blanc. Tu connais combien de whites qui ont gay qui connaît? Les vraies choses, on n'affiche pas. Les vrais bails de fond, on les affiche pas. Même les vraies femmes qui sont derrière moi, on n'affiche pas. Quand c'est cuit à mon an, puis on mange. C'est comme ça. Toi, tu es là, tu fatigues le gars là. Il n'a pas 18 ans. Il a sa vie. Pantalon a sa vie. Il a ses soeurs. Voilà sa caravane de paix. Hein? Le camion gâté pourri de paix là. Ils ont besoin de 5 étoiles, mais juste avoir ton crâne là-bas, il n'y a pas envie de partir. Sinon, on n'est rien contre ce monsieur. Même mon clash avec ce monsieur vient de toi. Parce qu'il oublie de venir te défendre à chaque fois. Sa mère a été insultée ici à cause de toi. Il faut arrêter. Il faut laisser le monsieur respirer. Il faut laisser le monsieur respirer, s'il te plaît. Voilà. Il fait les émissions, il a besoin d'évoluer dans autre chose. Et quand il commence les émissions nettes, quand tu vois que ça commence à prendre, tu vis avec un faux buzz. Il doit comprendre que tu es. Il doit comprendre que c'est toi qui es son ennemi. Parce que nous, on va dire que oui, il est méchant, il travaille, il a ses voitures, et il a sa voiture, il a son petit Jossi. Et puis. Bébé, je suis en direct, c'est quoi? C'est quel love tu as venu faire là? Hein? Appelez-moi Bodil que je suis en direct. Tu es quelqu'un de petit, on peut même pas. Tu peux même pas appeler le gars pour parler de tout et de rien. Mon grand frère, ça va. Faut dire à ton. Faut dire à mon petit frère. Mais tu as plus de 43 ans, ma chérie. Tu as plus de 43 ans. Il faut assumer ton âge. Allô, mon grand frère. Oui. Est-ce que ça t'arrive de parler un jour, de ne pas parler de Facebook avec ce dernier? Est-ce que ça t'arrive? Non, moi, je veux savoir. Est-ce que ça t'arrive de faire de l'appeler, demander comment sa journée s'est passée? Est-ce qu'il a mangé? Grand frère, il a fait à manger. Il faut venir prendre ça. On n'a qu'à se croiser à tel gars. Quand tu quittes au travail, il a fait un petit plat pour toi. Va t'y manger. Tu sais que. Voilà, Nathalie n'a pas de femme. C'est lui-même qui a le mousseau à la maison. D'accord? Alors mon grand frère, il t'a fait un petit plan pour toi. Il faut venir déjà prendre ça. Ou bien laisse à quelqu'un pour venir prendre. Ou mais comme tu connais son travail à la gare là-bas où il prend sa poste, tu lui fais même des petites surprises. Tu sais que ah, c'est ton grand frère, il travaille de ça à telle heure. Tu t'en vas, tu lui donnes la nourriture. Tu lui dis grand frère, c'est ta poste, il vient te faire surprise. Tu lui envoies un bon plat de foutou ou bien un bon plat de tigadigana avec une bonne bière. Ou bien comme il ne boit pas l'alcool quand il est au boulot. Voilà, tu mets un bon truc dessus, il mange. Pourquoi t'as ton amitié? C'est toujours le mbrakata. Le gars a commencé ici que. Tu as dormi dans la douche aujourd'hui. On te voit pas. Collègue 5 étoiles. Aujourd'hui, ma collègue est fâchée. Jolie femme. Est-ce que vous voulez te blaguer? Merci. La fille, elle t'a bien nanté en tout cas. Elle va tirer mes narines. Hein? Tu peux pas appeler le gars pour dire mon grand frère chéri, je t'ai fait un bon plat. Mon grand frère chéri, tu es où? Mon grand frère chéri, il t'invite. Mais non, quand tu appelles le gars. Le gars a commencé à faire émission. Caravane de paix. Vous avez bousillé ça entre vous là-bas. Après, il est venu, il dit qu'il est peintre. Qu'il met papier peint à la maison. Tu n'as même pas fait sa publicité. Tu es venu à un autre, à un faux buzz pour dire quoi, Joe? Encore, il est revenu. Il dit que non, il fait 4 minutes. Il ne sait pas comment. Nouvelle encore émission. Mais essaye de laisser le monsieur vivre sa vie, wesh. Laisse-le vivre sa vie. Il est obligé de te défendre parce qu'il s'est déjà autoproclamé comme ton grand frère sur Facebook. Donc, quand tu es dans un faux truc, il est obligé de venir se salir. Il est fatigué. Il est fatigué, ma chérie. Laisse le gars faire sa vie.
Il a ses soeurs en France. Il a ses soeurs en Afrique. Il va s'occuper d'elle. Il y a quelqu'un qui dit tu cherches à te rallier. N'importe quoi. Tu sais combien de fois on veut me parler, les papiers refusés. Regarde, mon perdu, pavané de la nature, te bloque. Avec tes nattes crépues sur ta tête, digne d'un film de Pen Gojo. Donc, Tilapia, faut laisser pas talon respirer. Hein? Faut le laisser respirer. C'est quelle relation toxique ça? C'est quelle relation toxique? C'est que t'es une relation toxique. Toi, tu ne rapportes rien aux autres. Tu ne rapportes rien aux autres. Le gars fait tout, il se sape dans ses directs. Il porte chapeau là, il a le chapeau là, ça glisse. Il lutte, hein? Lui, il lutte le sapement de Koffi Olomidé. Tellement il veut apparaître bien. Mais toi, tu viens toujours le salir. Ya! Yeah. Il a déjà joué aux Champs-Élysées pour faire direct. Hein? Tellement il s'habille comme s'il partait au conseil de Koffi Olomidé. Mais quand toi, tu vois ça là-même, là, tu n'aimes pas. Tu viens, tu ne mets pas dans ses côtes. Il va sortir encore. Doliprane, miel, citron à côté, tout commence à boire. Il va sortir. C'est que toi, va rentrer dans son boda. Faut attendre. Hein? Faut mettre la matriarche quand même. Bingo bato la matriarche. C'est le game. Tu resteras et tu demeureras. Nathalie. Mais demande-le, s'il te plaît. Faut donner des maquillages à boire alors. Bon. On parlait du 3 décembre et du 4 décembre. Et de toute façon, le 2, moi je serai à Paris quelques jours en avant. Cette fois-ci, si je vais à Paris, c'est pour une semaine. Donc moi je vais profiter aussi pour voir mes abonnés. Voilà, j'ai pas encore choisi de date parce que mon voyage au Nigeria il est déjà calé. Donc tout le mois de novembre j'aurai pas le temps. Le mois d'octobre j'aurai pas le temps. Donc j'aurai seulement le temps en décembre. Voilà, j'ai pas encore trouvé de date, mais j'ai pas fait un aller-retour à Paris. Pourtant il y a des événements qui s'alignent. Voilà, je peux faire 2 jours à Paris, pourquoi pas. Peut-être début décembre pour parler avec mes abonnés. Voilà. J'ai mes abonnés qui me mangent parce que comment je dors, j'éteins mon téléphone. Parce que je travaille. Je sais pas comment ça marche. Après, tu vas me montrer ma puce. Parce que mon iPhone, même quand il met sur silencieux, ça fait vrou vrou, ça me dérange. Donc, quand je dors, j'éteins le téléphone. Et celui-là, le Samsung, je mets sur silencieux. Donc, quand je me suis réveillée, je vois beaucoup de messages. Qui tout Leslie, Jesse, en train de Jensen, la coach, patati patati, je suis allée regarder un peu. Jesse, moi, je vais te dire une chose, je suis pas d'accord avec toi. Après, comme je t'ai dit, moi, je suis la jet seule. Je suis dans la vérité. Tu es quelqu'un que j'apprécie bien. Voilà. Quand tu soutiens quelqu'un, ne lui attire pas plus d'ennemis, frère. Tranquille. Quand tu ne soutiens pas, quand tu soutiens quelqu'un, ne lui attire pas plus d'ennemis. Voilà. Moi, je vais jamais dans ma tête que Emma Lewis est ennemi. Parce que plus on parle que Emma Lewis est ennemi, et plus encore la fille va s'empirer. Pourtant, les filles, elles ne sont pas en problème. Qu'on se dise la vérité. Chacun fait son chemin. Chacun a son couloir, chacun a son mouvement. Moi, vrai, oui, d'abord là, il y a des filles qui m'appellent, les filles, Josie et toi. Il dit, c'est le seul bar en France. Non, on ne traite pas les filles noires. À moi, ça se déjà trouvé dans le même ghetto. Tu comprends, non? Jamais, une fille m'appelle, me dit, les filles. Même, moi, jamais en contact avec que ça. Même l'agence avec qui je travaille, mais pas, ils ne donnent pas de numéro. Parce que, oui, moi, je ne boquais pas là-bas. Oui, moi, je ne boquais pas là-bas, frère. Donc, il ne parle même pas de mon mouvement, mais quand il m'appelle, me dit, les filles, il a compris, pas, il te bloque. Parce que pour venir connaître ma vie pour aller sortir avec. Sinon, tu vas aller t'attendre derrière un bas pour dire cherche travail, ils vont te prendre. Mais pourquoi j'ai passé par le mouvement de Leslie? Demain, ça va venir gâter ton mouvement et vont commencer à foutre du n'importe quoi. Frère, tu soutiens EK. Tu as dit que tu ne fais pas partie de la EK Land, mais tu la soutiens. Parce que tu sais qu'en ce moment, elle est seule. Voilà, tout ce compte. Et moi, je l'ai soutenue. À un moment, j'ai fait des directs. Quand Sylvia faisait de trop, après, j'ai mis pause. Quand Sylvia a mis pause, voilà, moi, je ne suis pas là pour faire la guerre pour les autres. Je suis dans la vérité. J'ai vu que c'est une soeur ivoirienne, elle est en train de faire un projet. C'est vrai qu'on a nous tous on a traité de pafloteuses, de mythos, de tout et tout. Toutes ces influenceuses et ces menteuses. Parce que MS, vrai, MS, c'est 40 000 euros, ils n'ont pas l'argent pour payer ça. C'est deuxième, même si elles ont trouvé à 5 000 euros, elles prennent. Pour voir les factures de 40 000 euros, nous montrer. D'accord? Donc c'est tout le monde paflote. Nous tous on paflote. Parce que ce que je m'attends, ce n'est pas mes vrais cheveux, c'est une perruque. Donc c'est du paflotage. Moi je le vois, je vois qu'ils l'ont trop, voilà, ils l'ont trop mis à dos. Et tout, elle a décidé de faire son truc. Voilà, elle a des gens qui sont derrière elle qui la soutiennent. On est des blogueurs, on est des influenceurs. Il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui nous regardent. Imagine que moi je commence à faire un direct pour dire oui, coach Amon, c'est une sorcière. Oui, 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 oui. Mais les gens vont prendre ça au premier degré. Aujourd'hui, on est suivi, frère. On doit faire attention à nos propos. Aujourd'hui, on est suivi. On ne peut pas se permettre de venir dire que coach Amon veut saboter. Et quand je suis désolé, le monde ne tourne pas autour de Manuel Keita. C'est notre soeur ivoirienne. Son événement, c'est le 4 décembre. Coach Amon n'a pas mis le 4 décembre. Même si elle met à la veille comme après. Il y a des concerts là. Et elle te dit une chose, frère. Il y a des concerts là.
Au Mali, chaque jour, il y a un concert, les griots là. Un fini pour lui, l'autre fini pour lui, un fini pour lui, l'autre fini pour lui. Et puis, c'est le stade, il remplit, c'est pas les petits coins. C'est les grandes salles. Chacun a son public. Et Mané Keïta, elle a la Eukaland. Coach Amon a ses caviars. Tu comprends? Donc, quand tu viens faire un direct, pour faire comme ça là, c'est pas bien. Tu es en train d'attirer plus d'ennemis à Emmanuel Keïta. Là, je te dis, frère, il faut pas faire ça. C'est nos soeurs. Le jour où moi, je vois l'affiche de Coach Amon, elle a juste fait un poste. Le jour où je vois son affiche, je publie sur ma page. Parce qu'on a dit soutenons nous vivants. On ne peut pas soutenir une pour jeter une. Je suis désolé. Ça va passer. Coach Amon a mis Emma Louès comme marraine que tu as pensé qu'elle avait saboté. Je suis désolé. Elle a son affinité avec Emma Louès. Pas d'injure, s'il vous plaît. Pas d'injure vis-à-vis de Jessie. Je suis en train de parler normalement. Elle a son affinité avec Emma Louès. Si elle a parlé à sa soeur, qu'elle avait son projet depuis. Elle a parlé à sa soeur. Si elle avait annoncé pour elle depuis avant pour EK, on allait dire aussi qu'EK avait la saboté. On a dit qu'elle avait la saboter, à un moment donné, il faut arrêter. Le monde ne tourne pas autour de cette fille et on est là pour soutenir cette fille. On veut soutenir Emmanuel Keïta parce qu'on voit qu'il y a certains blogueurs qui ont sorti de la saboter. Il y a un groupe de sorciers qui sont là pour saboter les gens qui veulent évoluer. Voilà. Moi, si Emmanuel, comment il s'appelle, Coach Amon sort son affiche, je partage, je la soutiens, je ferai des directs pour la soutenir. C'est pas une manière de rappeler, non. C'est une manière de soutenir. On a dit soutenir nous vivants. Donc, il y a un camp où on doit soutenir et un camp qu'on ne doit pas soutenir. Faut pas faire ça, frère. Si tu commences à faire ça, tu vas attirer plus d'ennemis. Apparemment que Peter a fait un poste pour dire que Emmanuel Keïta et Emma Louès ne sont pas un problème. C'est le virtuel, c'est les abonnés qui créent tout et n'importe quoi. Voilà, et puis elle reste silencieuse parce que c'est le game. Plus on pense qu'elles sont un problème, plus chacun a son monde. Tu comprends? Mais s'il te plaît, ne fais pas faire ça. Coach Amon, elle est libre de choisir ses dates. C'est pas mon père, c'est ça. C'est pas Eka qui paye ses salles. Eka a ses abonnés. Coach Amon a ses abonnés. C'est nos soeurs ivoiriennes. Le 3 et le 4, ça serait deux grands événements. Et on les aide à booster. Si demain j'ai mon truc que Patalo s'est fait son truc, ça veut dire qu'il veut me saboter. Je suis désolé. Les mêmes personnes qui parlent chez eux, les mêmes personnes qui vont payer les tickets s'ils ont l'argent pour aller chez Coach Amon. Donc faut pas faire ça. Parce que c'est qu'on est en train de faire. Si moi, il est tête dans ça là. On est suivi, frère. Aujourd'hui, les gens nous écoutent. On va commencer à faire passer Coach Amon pour une sorcière. On va commencer à faire passer Emma Louès pour une sorcière. Et puis on gagne quoi? Le contrat, c'est pour attirer plus d'ennemis. Les caviars vont commencer à détester EK. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas de caviars qui ont payé des tickets pour aller réveiller Emmanuel Keïta? Quand tu as fait les directs, comment penser que c'est Emmanuel Keïta qui t'a envoyé pour venir dire ça? C'est pas bien. Chérie, s'il te plaît. Ils vont penser que non, c'est Emmanuel Keïta qui t'a envoyé pour venir faire ça. Et tu vas commencer à mettre les bâtons dans les roues des vieux, mais c'est que tu n'es pas trop suivi. C'est pas un jeu, mes frères, il faut faire doucement. Parce qu'en voulant sauver cette fille, tu vas la mettre dans la merde. Et qu'elle n'a pas de problème avec Emmanuel, avec Coach Amon. Elle n'a pas de problème, merci mon bébé. Elle n'a pas de problème avec Coach Amon. Elles n'ont pas de soucis. Même si on n'a pas d'affinité, elles ne sont pas ennemies. D'accord? Elles ne sont pas ennemies. Si on soutient Emmanuel Keïta, on peut soutenir aussi Coach Amon pour son événement. Demain, ça peut être ton tour, la vie tourne. La vie tourne. Voilà. Moi, je soutiens l'événement de ma soeur. Voilà. Je la soutiens comme je peux. Et puis, le 4 décembre, on se retrouvera tranquillement. C'est le plus important. Le plus important, c'est que le 4 décembre, il y a des gens qui sont mauvais. Ils peuvent payer 20 tickets ou bien 50 tickets. Puis, ils ne vont pas partir. Puis, la salle va rester vide. Il y a des gens qui font ça. D'accord? Donc, allons mollo. On soutient Emmanuel Keïta. Dans la vérité, c'est une sœur. Il y a certains blogueurs qui ont essayé de la saboter. Mais on s'en fout, ils ne sont pas Dieu. Mais après, la vague passe. Après, la vague va passer. Le 4 décembre arrivera. On va aller la soutenir. Si Coach Amon fait son truc, on soutient aussi. Voilà, on soutient aussi comme on peut. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On n'est pas obligé de venir cogner les têtes pour se faire aimer d'un côté, pour détester d'un côté. Moi, je ne suis pas là pour vous parler de quelqu'un. Moi, je vous préviens. Je ne suis pas là pour faire parler de quelqu'un. Voilà. On sait que tu l'as bien, c'est ma cible. Tu l'as plus, tu l'as bien. Voilà. On est dans notre game. Mais quand la réalité, pas mettre ça dans le checker de quelqu'un. Demain, tu n'as jamais accepté qu'on mette ça dans ton checker. Frère, pas mettre ça dans le checker de quelqu'un. Coach Amon a son monde, elle a ses abonnés. Emmanuel Keïta a son monde, elle a ses abonnés. Emma Louès fait bisous. Est-ce qu'elle est venue à son événement? Elle n'est pas venue à son événement. C'est parce qu'elle ne voulait pas venir, mais elle a soutenu jusqu'au bout. Elle a vendu son image gratuite. Mais quand le moment est arrivé, elle avait d'autres contrats. Elle avait des vacances avec sa famille, elle est partie. Qu'est-ce qui prouve que pour Emmanuel, pour Coach, elle aura le temps?
Qu'est-ce que vous prouvez pour Kocha? Et Emma Louest sera pas peut-être à Dubaï pour aller signer un contrat, ou bien elle sera pas peut-être en Chine pour aller payer ses marchandises. Qu'est-ce qu'il prouve? On peut mettre quelqu'un comme marraine, mais ça ne veut pas dire que la personne sera forcément là. Donc faut pas faire ça frère. C'est des soeurs ivoiriennes. Faut pas empirer la situation. Elles n'ont pas de problème. Coach Amon est dans son game. Elle évite les clashs. On n'est pas là pour créer la zizanie. On n'a qu'à rester dans le nombre des choses. Quand on a une soeur qui fait un truc, on la soutient. Si on ne peut pas la soutenir, on se tait. Voilà. Donc ça veut dire que si moi, je vais aller faire mon dîner avec mes abonnés, je serai à Paris toute une semaine. Si dans la même période, je dis à mes abonnés, bon là, ils sont pressés pour que je choisisse une date. Ça serait décembre, parce que décembre, sûrement j'aurai le temps. Novembre, je serai au boulot. Octobre, tout le mois d'octobre, je serai au boulot. Novembre, je serai en voyage. Hein? Ça serait voyage, je serai même. Je n'avais pas le temps cette année pour rester chez moi. Mais après, je serai après décembre, j'aurai un peu. Même décembre, du début décembre jusqu'au 22. Début décembre, j'aurai un petit temps, mais après, j'aurai plus le temps. C'est comme ça, on a des programmes, on a des trucs chargés. Peut-être qu'Emma Lewis n'a rien de prévu début décembre, mais qu'est-ce que vous voulez que quand la date va arriver, elle ne va pas avoir des trucs prévus. On soutient cette fille. Mais pas vraiment soutenir à l'aveuglette non plus. Voilà. Chacun a son blog. Chacun gère ses abonnés comme ils peuvent. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts pour les 6-5 étoiles. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts pour toi, Jessie. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts pour Makoso. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts pour sa petite soeur. Chacun a son public. En voulant trop aider Emmanuel Keita, on est en train de parler du 4 décembre. On ne parle pas de se créer des ennemis. Voilà. Tu n'es pas payé pour ça, tu n'es pas payé pour ça. On est là pour la soutenir. Pour dire, c'est notre soeur ivoirienne. Pas de sabotage. 4 décembre, rendez-vous tout le monde. Tes personnes peuvent partir, mes personnes peuvent partir, les autres aussi peuvent. C'est comme ça. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas les fans de Emma Lewis qui ont payé ticket? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas les fans de Coach Amon qui ont payé ticket? C'est dans la même période. Les gens ont peut-être même payé 2 tickets. Elle finit, c'est Coach, elle se ce truc. Plus tu as parlé, plus on va vouloir trop enfoncer le clou, plus on va comment on appelle ça, gâter le. Vouloir saboter l'événement de cette fille. Parce que c'est une manière, maintenant, on va la mettre en concurrence avec Coach, mais je suis désolé. Et sur des hommes, on peut pas mettre Coach avec tout en concurrence, ce sont des soeurs ivoiriennes. Même si c'est le même jour, qu'est-ce qu'on en a à brûler, frère? Même si c'est le même jour, on n'en a rien à brûler. Chacun, voilà château de Coach, j'arrive au château de l'air, beaucoup de coiffeurs. Dans le même salon de coiffure, au moins 5 personnes qui font ongles. Mais quand une vient là, c'est que, parce qu'elle va attendre ça la personne qui a l'habitude de faire ses ongles. D'accord? Quand tu vois, quand il est au château, il sait qu'il doit aller me coiffer chez Serge. Là, il n'est pas sur le château de l'air, dépenser de l'argent. C'est pas gratuit, tu vas pas donner son numéro et faire ça plus que c'est gratuit. Non, j'ai payé parce que c'est mon frère ivoirien. Il fallait que le soutienne. J'ai dépensé de l'argent. D'accord? Mais il y avait un salon en face. Où il y a une fille même qui m'a dit, on s'est vu après à l'événement. Elle m'a dit, laissez, c'est moi qui t'avais appelé. Viens te coiffer gratuit, tes ongles gratuits. Elle dit non, j'ai ma personne qui est là-bas. La prochaine fois quand je viens, il veut que tu me coiffes gratuit. Mais ça n'a pas dit que tous les salons de château devront fermer parce qu'il y a Serge qui est coiffé. Je suis désolé. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas aimé ton direct, frère. Faut pas attirer plus d'ennemis à cette fille. Fais ton blog, tu peux parler de temps à autre. Et puis, mais c'est même pas la peine de s'asseoir sur les. Comme si. Parce qu'en voulant trop parler aussi de l'événement, à un moment donné, on va attirer des ennemis à cette fille. De temps à autre, quand tu frappes pas dans ta direct, il y a tellement de sujets. Si tu attires trop l'intention aussi sur EK, trop d'intention sur cette fille, on va l'attirer plus d'ennemis. Et puis, ça va devenir autre chose dans notre main. D'accord? Ça va devenir autre chose dans notre main. De temps à autre, on a des sujets, on se framponne un peu. Et puis, on n'oublie pas de dire rendez-vous le 4 décembre. Rendez-vous le 3 décembre. C'est comme ça. Donc, s'il te plaît, pas de mélange. Après, moi, je ne te commande pas. Mais je te dis franchement, je ne t'ai pas vu au téléphone. Parce que quand je me suis tenté de me laver, voilà, je me débabouillais, que je me maquillais quand j'écoutais ton direct en même temps. Je suis choqué, frère. Fais pas ça. Pourquoi tu as fait ça? Coach Amon a son affinité avec Emma Lewis. C'est pas aujourd'hui, hein, là, je déforme. Hein. Elles font les directs sur Instagram. Elles appellent sur TikTok. Elles font les trucs. C'est pas aujourd'hui. Donc, c'est pas parce qu'elle va la prendre comme marraine qu'elle veut forcément saboter l'autre. Je suis désolé. On va pas interdire les gens de machin ça, mais nous, on est même qui, même souvent, même pour interdire les gens de faire ce qu'ils veulent faire. On peut pas interdire les gens de faire ce qu'ils veulent faire, frère. Coach Amon a son monde, elle a son affinité. Elle peut pas être en affinité avec Emma Lewis qui a la disponibilité d'être sa marraine le jour de son événement. Et puis, derrière, venir prendre 5 étoiles pour être marraine. C'est le jour et la nuit. C'est. Tu n'as pas fait l'affinité à moi. Comment tu as. Mais attends. Faut pas faire ça. Tu soutiens Emmanuel Keita. Faut la soutenir dans la positivité. Pas dans. Faut pas trop te disperser. Voilà. Et quand pourrait également aller assister autour de coach, ça serait aussi beau. C'est pas des ennemis. Faut pas. On va essayer de mettre nos soeurs en palable. Parce que souvent, c'est nous-mêmes. On dit les abonnés. Nous-mêmes, les blogueurs, souvent, on est des fouteurs de troubles. Oui. Nous, les
des abonnés, on est suivi, on est des fouteurs de troubles. Quand faisons attention à ce que nous disons. Un capé payer le ticket pour aller chez coach, pour aller la soutenir. Ou bien si y a, coach peut envoyer, elle peut passer par quelqu'un, envoyer la carte d'invitation à Emmanuel Keïta. Ça peut être beau. Donc il ne faut pas faire ça. D'accord? Bon, je soutiens l'événement d'Emmanuel Keïta. Si l'événement de comment on appelle ça, de coach sort, je partage, si mon temps, c'est ça dans la même période de ça à Paris, je prends mon ticket, il m'a regardé. C'est comme ça. Si elle m'envoie le 4 aussi, je m'en vais. S'il te plaît. Hein? Voilà. Moi, j'aime être dans la vérité. On soutient le cas. On soutient le 4 décembre. Mais il ne faut pas en dépasser les limites non plus. On ne peut pas empêcher. Excusez-moi. On ne peut pas empêcher les gens. On ne peut pas empêcher les gens de faire leur événement. Faire un événement, ce n'est pas aller s'asseoir dans un restaurant et puis manger. C'est une organisation, c'est de l'argent. Voilà. Et je sais pourquoi elle a choisi cette date. Ça n'a rien à voir. Tu peux choisir une date comme ça sans arrière penser. Souvent, on fait les directs sans arrière penser. Mais pas forcément. Ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec des gens. D'accord, frère. J'ai pas kiffé ton direct. Voilà. Tu n'es pas de la Ekaland, tu es sympathisant. Moi, je ne suis pas de la Ekaland, je suis sympathisante. Je soutiens ma soeur qui est Emmanuel Keïta. C'est ma soeur ivoirienne. Elle a fait sortir des maquillages. Elle a fait sortir des perruques. J'attends que quand les perruques seront en ligne, hein, je vais changer le perruque. Il y a les PMA, pas de perruques de 300, 400 euros. Même si c'est 500 euros, je vais payer pour la soutenir. C'est comme ça on soutient quelqu'un. On ne soutient pas quelqu'un en lui en tirant des ennemis. Je suis désolé. On ne soutient pas quelqu'un en lui en tirant des ennemis. Voilà. Chacun d'elle possède dans son public. Chacun a son public. Il faut être dans la vérité, dans la réalité. Plus on va faire des ennemis. Moi là, si tu me vois en train de venir m'asseoir pour dire, oui, coach Amon, ton maudit, oui, coach Amon, tu es une sorcière. Hein, tu prends un cas pour nager, manier, que tu as bien. Attendez, le monde ne tourne pas autour de nous là, wesh. Le monde ne tourne pas autour de nous là. Les gens ont leur business qu'ils doivent réaliser. Les gens ont leur business qu'ils doivent réaliser. Tu soutiens Manek Keita, tu soutiens Manek Keita. Tu es soutenu coach, tu soutiens, tu ne sais pas coach, tu n'as pas besoin de venir saboter. Donc quand tu pas coach, tu ne penses pas que tu sabotes aussi le mouvement de coach. Mais faut pas faire ça, frère. Fais pas ça. Et Manek Keita, t'as pas envoyé de venir faire ce genre de trucs sur Facebook. Voilà, on n'envoie personne. On le fait parce qu'on voit l'injustice sur les réseaux sociaux des gens qui sont en train de l'insulter. Voilà. Quand bah, l'autre fait son truc le 3, que l'autre fait son truc le 4, que c'est un boycottage, je suis désolé. C'est que donne, tu n'as pas confiance au public de EK alors. Donc tu n'as pas confiance au public de EK. Non, mais attends, un moment donné, il faut arrêter, wesh. J'aime tout faire. Moi, je vous prépare un beau truc qui va sortir dans ces deux jours. Il y a mon CD qui sort. Il y a mon CD qui sort. Donc, si on commence à chanter, on dit que non, c'est pas ça pour juste chanter que je chante. Moi, mon CD sort bientôt. Hein. La semaine prochaine, mon CD sort. Mon single sort. Donc, si dans mon son, il dit que, eh ben, Lolo, la plus jolie de la Côte d'Ivoire, on dit que, oh, Leslie. Leslie est Judas, comme s'il y avait une réunion de sorcellerie avec quelqu'un. Non, hein. Je suis désolé, mon CD sort bientôt. Oh, Leslie, j'ai chanté comment pour tout. Moi, Dieu, il me doit 3000 euros. À quoi je lui ai donné artiste. Moi, je me rappelle ici quand Christian Lou, comment elle s'appelle Christelle, la fille à Calerasta qui est en Hollande là. Un moment, elle a commencé à clasher quand on est sorti. On est sorti, mais après, chacun est rentré dans son coin. On soutient quand c'est le moment. On ne fait pas le désordre, frère. On ne fait pas le désordre. À un moment, tu ne faut pas être pète dans ton blog. Faut pas te pète dans ton blog, frère. Tu es crédible. Mais écoute, hein, faut pas aussi mettre. Voilà. Parce que même si Emmanuel Keïta ne parle pas, ils vont dire que c'est elle qui t'a envoyé. Faut pas faire ça. Hein, faut pas faire ça, d'accord. Moi, j'ai pas kiffé ton direct. Comment elle s'appelle? Coach Amon, c'est une grande soeur que moi je respecte beaucoup. Moi je ne me vois pas en train d'essayer de venir cogner les têtes sur Facebook quoi. Emmanuel Keïta, ses abonnés qui sont prêts pour elle, ils sont partout dans le groupe là-bas. Qu'est-ce que même il y a les tickets encore? Mais dans une semaine, on nous a annoncé qu'il n'y a plus de tickets. La vente des tickets sera bouclée. Les gens vont partir la soutenir. C'est une place de 400 personnes. 400 personnes, c'est rien. Elle fait souvent les 10 000 personnes en vue. Elle a plus de 500 000 abonnés. Donc elle peut prendre 400 personnes facilement pour remplir une salle. D'accord, c'est les gens qui sont quittés en Belgique, en Suisse, un peu partout dans le monde pour venir aux Oscars pour nous regarder. C'est pas eux qui vous préparent aux 400 personnes. Donc, on a peur de quoi? Ou même tu as peur de quoi? Les eux qui sont prêts à payer les tickets. C'est comme ça, les coachs aussi à ces personnes. Non, à un moment donné, on va cogner les soeurs, on va cogner les têtes de nos soeurs. C'est deux événements. Moi, je vais à Paris. Si c'est vraiment le 3 pour coach, moi, il m'en va à Paris. Je serai à Paris une semaine. Je vais pour ma soeur, je vais pour les deux personnes. Ce sont mes grandes soeurs.
Vous n'êtes pas sérieux souvent, hein. Il dit que je suis artiste. Après qu'elle est prestée même dans les deux coins, qui sait. Elle prend mon cachet sur le côté, elle prend mon cachet sur l'autre côté. Moi, je suis pas une suiveuse, moi, je vous préviens. Moi, je suis la geste, je suis pas une suiveuse. Je suis dans la réalité, la positivité. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose de bien, il soutient. Elle va venir que. Donc, c'est maintenant, si elle fait. Moi, elle vient déjeuner le 3, le 4, ou bien c'est le. Non, après tous ces événements, elle serait fatiguée. Bref, peut-être même le 1er décembre. Depuis le 1er mois, sera à Paris. Donc le 2, il m'a déjeuné mes abonnés. Qui dit mieux? Vous allez me faire quoi? Vous allez me frapper? Mais c'est mes abonnés. Là, ils sont dans un groupe. Leslie, nous qui sommes à Paris, on veut manger avec toi. Il a dit, ok, le 2, on se croit dans un restaurant, je réserve, on va manger. Donc c'est les sabotés, Emmanuel, qui est c'est les sabotés, coach. Et à un moment donné, le monde ne tourne pas autour de vous. Hein. Arrêtez à un moment donné, la wesh. Arrêtez à un moment donné, wesh. Moi, je suis dans la vérité, frère. Je suis pas là pour. Je suis pas une suiveuse. Moi, je suis pas une suiviste. Voilà. Attends, mais le petit a gratté ton dé, valise 23 kilos qui sort de la Mortanine. Bataille. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de sortir ma tête. Leslie, cette étoile. Bon, je vais vous laisser. On est déjà à une heure de direct là. Moi, je suis pas comme s'il a peur de faire le direct de 3h. Wesh. Moi, j'ai une vie. Hein. Ah, il est déjà 21h. Nous, on monte à 22h. On va directement au travail ou bien. De toute façon, pour te maquiller, ça prend 3h. Donc, je crois que je vais sortir aller prendre un verre dehors. Perdre le temps de passer au travail. Excusez-moi. Hé, hey, voilà, fesses sur des montagnes. On peut avoir fesses comme ça. Pause publicitaire. Après moi, elle est toujours dans la douche. Quand elle finit de me laver, mais pour moi, elle est ça. Pour avoir Django Rosé. Comment elle s'appelle? Est-ce qu'elle est là? Est-ce que les représentants de Django Rosé sont là? Mettez le numéro, je vais épingler avant la fin du direct, s'il vous plaît. Voilà. Voilà la crème qui rend mon teint lisse. Vous savez que moi, j'évite le chacho. De temps en temps, j'utilise Coco Bitter, je mélange. Hein. Adjongo rosé. Voilà. C'est fait à base de graines de palme. Recette de grand-mère. Je prends pour masser mes seins. Ça diminue les végétus. Je prends pour masser, pommader mes fesses, tout mon corps. Ça enlève tout ce qui est imperfection sur la peau. Adjongo rosé, la crème magique. Même les cheveux, les teignes, les gales. Ça diminue même les têtes. Comme Abou, tu as une grosse tête. Il faut prendre Adjongo rosé. Tu vas masser ton crâne et ça diminue. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si les représentants d'Adjongo Rosé sont là, mettez. Voilà. Capturez mes abonnés, capturez. Excusez-moi, ma connexion a failli me lâcher là. On m'a dit de couper le son. Comment entendre le nom de pantalon? Moi, mais j'ai oublié d'aller prendre Adjongo Rosé. J'ai oublié que il y a le nom de Nathalie dans le. Nathalie. Nathalie, on peut faire ça, on peut trahir son fils comme ça. On peut trahir son neveu. Alors, il dit, bizarrement, il va écouter le son à la fin. Il y a le nom de Nathalie. Ah, toutou, pas Kojo, ah, Kojo, madame, ah, Kojo. Si il sort mon son, voilà, il lève ton atalakou, pas Kojo. Si il sort mon son, il dit Nathalie, pas Kojo, a coupé. Tu as dit quoi? Tu as envoyé au tribunal? C'est pas ton nom? Eh, hey, Bakonjo, tu fais ton nom? C'est ton nom. Abou le Bakaman! Abou le Bakaman! Abou le Bakaman! Faut assumer ton côté, tu t'appelles Abou. Abou. C'est lui qui? Un couturier, un ancien couturier devenu oubli en France. Ya, yeah, maman, l'Europe, c'est quelque chose. Hein. Apparemment, tu. Pose publicité encore, capturé. À Django Rosé. Apparemment, tu étais couturier. Que tu faisais le tchat, ça quoi ta bête? Tes mains sont dures comme si tu soulevais le béton. Sinon, je fais le bus et puis les mains dures, c'est pas possible. Les quintos de ça. Hein, Abou? Ta brise, là, t'es fatigué. De... Quand il répond, moi, très objectif. Vraiment, si
Si Abou le couturier organise juste à la veille de celui d'Apoutou, tu auras tenu les mêmes discours. Non, je suis désolée. Vous voulez mettre les gens dans la confusion. Abou, il n'a pas les moyens de ça. Et puis lui, il avait déjà montré qu'il est le sorcier de pas et de Monsieur Grosse Tête Valise de 23 kilos. Abou a déjà montré que lui, Apoutou, c'est son ennemi. Donc s'il fait ça, on sait que c'est le sabotage. Tu comprends? Mais qu'est-ce qui, quand tu n'as jamais eu de problème avec EK, donc arrêtez un peu vos histoires de balles là. Ne mettez pas les gens par là, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. On peut pas, mais arrêtez de attirer tous les ennemis vers cette. Elle a déjà assez de problèmes. Et elle a déjà assez de problèmes. On peut venir. Où est ma puce? Tout le monde paye son ennemi. Mais oui! On peut pas. C'est le sorcier de EK qui est. Jesse, non, non, dis pas ça. Jesse a son blog, il parle comme il peut. Il parle comme il peut, voilà. Moi, il m'est... Voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai de l'affinité, je l'apprécie bien, tu vois. Souvent, il a son game. On peut pas dire qu'il dit pas ça. Il sait pourquoi il dit ça. Non? Mais moi, ce que je veux dire, pas m'attirer des ennemis. Envers cette fille, elle a déjà assez subi, quoi, voilà. Elle a déjà assez subi. Hein. Soit on la soutient, soit on la boucle. Soit tu soutiens la personne, soit tu la boucles. Mais tu lui attires pas plus d'ennemis. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Commandez à Django Rosé. À Django Rosé. Voilà. À Django Rosé, vous avez dit, ça a fait quoi? C'est écrit dessus. Pas votre tchatcho que vous partez payer. On ne sait même pas les notices. À Django Rosé, il y a notice. Sandrine a fait fort. Il y a notice. Quand tu payes, on décrit ce que ça fait. Peau, cheveux, teigne, date, gale. Comme les tilapia qui ont les entrejambes. Digne d'un film de Kroussa. Ah! Tu l'as bien, pardon, père Django Rosé. Tu fais bien ton gommage à tes entrejambes quand j'ai mis tatouage. Depuis l'année passée, moi je vois ça, moi je connais ça là. On l'a déjà capturé depuis l'année passée. Elle m'a dit qu'elle a mis tatouage. C'est les végétaux et les teignes qui ont pris le dessus. Donc, maintenant elle met tatouage dessus. Donc, quand le tatouage même fui. Donc, ça devient bizarre. Et tu dis à Django Rosé, puis enlève-moi le tatouage qui est dans tes entrejambes, ça fait. Quand tu es clair, normalement, quand tu fais un tatouage, ça doit être beau, ça doit être dessiné. Hmm? Mais toi, les entrejambes, on en parle. D'après Aziz Danzang. Les entrejambes, on en parle. Pour la Django Rosé, tu prends le lait, tu mélanges la Django Rosé, puis tu frottes. Quand ça devient sec, tu fais gommage. Ça enlève tes coussins. On peut aller stopper, puis avoir les coussins. On est mamie, on est gratin des rues du fou. Hein? Coussins, on est gratin des rues. Ya, yeah, maman. Les entrejambes dignes d'un film. Des gratins de riz. Waouh. Ouais, vous avez... Kouroussa, bon. Tu l'as bien, Kouroussa. Tu dis Kourou. La seule blogueuse... Qui prend photo avec Toubabou pour mettre sur son snap quand j'ai eu ma part de blanc? Ya! Si tu as eu ta part de blanc, va te marier, arrête de parler, va faire ton foyer tranquillement sans bavarder. Tu nous fais même un enfant bêtise. C'est la seule babouette qui n'a pas d'enfant bêtise. On peut faire ça. Ta vie est nerveuse en ce moment. Hein. Tu es nerveuse, Tilapia. Tu fais les directs, on te délivre en direct. Hein? Tu dis kourou. Kroussa, vous avez regretté. Mon son sera le son le plus suivi de l'année. Et mais, Gégé, oh, Géna, oh, Géna, oh, Géna, oh, c'est le même qui vend Javel à ses soeurs. Pasteur Macron, le seul pasteur qui n'a pas encore mougou, ça fait 10 ans. Donc, allez, ce problème, c'est loup testicule. Testacroy. Pantalon, oh, hé, à bout le couturier. Moi, c'est pas malo. Moi, vous tous votre atalakou. Pas Babio. Pas Makaman. Et dit quoi encore? Et dit qui encore? Os l'Amazon. Os l'Amazon. Le petit Burkinabé. Le seul blogueur qui a pris le pouvoir au Burkina Faso. Maman, tu portes les jupes. C'est l'Amazon qui a porté les jupes pour venir aux Oscars. Hein, voilà un autre qui porte jupes. Moi, je clash tout le monde. Hein. Il n'y a pas de freins, il n'y a pas de limites. Il clash tout le monde. C'est l'Amazon qui a porté les jupes pour venir aux Oscars. Il vous informe. Elle canne comme un vieux Ibo.
Oui, Goué, regarde, il sort d'où. Maman, le jour de l'éveil, c'est la maison est venue à Jeep, comme confie le midi. Maman, j'ai regardé le petit qui on peut porter Jeep comment? Et puis un canet, c'est-à-dire, Igwe. Titi, venez là-bas, pas là-bas, il allait se poser, quoi. Miss Colodi, à bout le couturier. Salut, grand frère. Nathalie. C'est aussi gentil, et pour te souhaiter joyeux anniversaire. Parlez les filles qui te souhaitent joyeux anniversaire. Partagez, mettez les cœurs. Abonnez-vous ici, c'est la nouvelle page. C'est ici, il y a qui est monétisé, donc c'est ici, elle fait direct. Même s'il y a deux personnes, elle fait direct ici. Ah, ouah. Il a porté à André Nigwe. Chapeau et canne. Aïe, maintenant, Diba, pantalon de Koffi Olomide. Mon frère, tu as pas dit coûte son habit au Congo ou quoi? Hein? Et puis, il va dans la soirée là, maintenant, il dit, hé frère, tu as pas fort, hein? Maman, il a envie de boire un bon cocktail avant d'aller au travail. Il dit, apporte des collants. Quand tu l'avais pas bloqué pour rien, tu l'avais fait quoi? Tu l'avais pas débloqué mes abonnés, pourquoi tu bloques mes abonnés, Tilapia? Tilapia, Tilapius. C'est la dictature chez toi, ma chérie. On ne peut pas parler fort. Oh. On ne peut pas laisser une grande bloqueuse aussi. D'accord, j'ai compris. Je coupe le direct. Bisous, mes bébés. J'ai levé mon gars un peu. Et puis voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire à Jessie. Coach, que ce soit Coach Amon, que ce soit Emma Louès, que ce soit Emmanuel Keita. Il a compris, bébé, il a compris. Il a coupé. Que ce soit Coach Amon, Emmanuel Keita ou Emma Louès, c'est tous nos soeurs ivoiriennes. Sur un événement, on soutient. D'accord? On doit apporter un exemple. On ne doit pas faire comme les autres blogueurs. C'est vrai qu'on n'est pas. Moi, je ne suis pas là pour faire comme les autres. Je n'ai pas te dit comment tu vas marcher. Mais il ne faudrait pas qu'on attise plus d'ennemis à cette fille. Elle a déjà son événement. Déjà, voilà. Paye même ses lingeries, tu offres à ta femme en direct. Ça, c'est ça on veut. Paye les lingeries ou les perruques d'Emmanuel Keita, Jessie, tu offres à ta femme en direct, chérie. Je t'ai payé ça pour toi. Et puis, après ça, va te séduire le soir. Au lieu de venir parler de l'éveil. Ouais, moi, je comprends pas. Il y a plusieurs manières de. Il y a plusieurs manières de. Hein, de soutenir quelqu'un sans faire trop de bruit, sans faire trop de tapage, sans attirer les. C'est comme ça que tu l'as pied avait fait. Elle a pas dit se jouer les zololes là-bas. Elle a passé jouer les Zolol jusqu'à attirer des ennemis à EK, commencer à moi-même me comparer à EK, commencer à comparer Edija à EK, commencer à comparer tout le monde à EK, et tout le monde s'est venu se baisser sur EK, et tout, c'est pas bien. D'accord? Donc on soutient ce sont nos grandes sœurs, ou sont tes petites sœurs, on les soutient dans la positivité, sans faire du parti pris, et on avance dans la paix du Seigneur. Voilà. Moi, mais vous annoncez ma part de dîner avec mes abonnés. Moi, je vais à Paris, je fais une semaine. Donc, ciao, c'est ce. Bisous à tout le monde. Mais aujourd'hui aussi.